Bonsoir, on était sous l'influence d'un ciel de traîne ce vendredi, avec des averses ponctuellement orageuses, et le week-end ne sera pas vraiment fameux, il va commencer d'ailleurs sous la pluie pour ce samedi matin, sur un axe allant de la Dordogne jusqu'aux Ardennes. À l'arrière, on aura des averses parfois soutenues et orageuses entre la Normandie et les Flandres, gare également aux fortes rafales de vent, des pointes à 70 km à l'heure dans les terres, 90 km à l'heure le long des rivages de la Manche, et le temps restera plus ensoleillé, avec là aussi un vent assez sensible près de la Méditerranée. Où ça ne changera pas vraiment en après-midi. La perturbation va rapidement se décaler entre les Pyrénées et les frontières de l'Est. On retrouvera les averses à caractère orageux sur un grand quart nord-est avec encore de fortes rafales de vent, 70 voire 80 km à l'heure jusque dans les terres, et les éclaircies s'annoncent plus larges quand même sur les régions de l'ouest. Côté mercure pour ce samedi matin, entre 4 degrés pour Aurillac et 12 pour Perpignan, et dans l'après-midi, on a des valeurs qui baissent encore par rapport à aujourd'hui. Il fera bien frais pour la saison, notamment sur un grand quart nord-est avec seulement 10 à 13 degrés. Il ne fera que 14 à 15 près de l'océan et on ira quand même jusque 20 à 21 degrés aux abords du golfe du Lion. Pour la journée de dimanche, ça va rester bien encombré sur les régions de la moitié nord avec notamment un risque d'averse entre la Belgique et la Suisse. Par endroits, quelques coups de tonnerre l'après-midi et on retrouvera de la neige pour les Vosges et pour le Jura. Ça ira mieux dans le sud avec un soleil plus franc vers la Méditerranée où le vent sera de la partie et il fera très frais pour la saison ce dimanche avec seulement 10 à 12 degrés pour les régions du nord-est, on ira jusqu'à 19 pour Perpignan. A partir de lundi, ça va légèrement s'améliorer avec une journée très lumineuse pour les régions du sud. Au nord, nuages et éclaircies alterneront et quelques ondées toujours possibles, notamment vers les frontières du nord-est ou encore du côté de la Belgique, et les températures vont cette fois-ci bien remonter, du moins l'après-midi, avec 16 degrés prévus pour Bruxelles. Il fera 20 degrés dans le Bordelais et 21 à Perpignan. La douceur qui va s'accentuer pour la semaine prochaine avec de belles éclaircies pour de nombreuses régions pour mardi, des nuages un peu plus nombreux au nord-est et vers la Bretagne, et quelques ondées d'ailleurs possibles pour mercredi entre la Bretagne et la Belgique. Ailleurs, il fera plutôt beau, en tout cas de belles éclaircies au programme, et on conservera un temps très doux pour jeudi et pour vendredi, mais les nuages seront un peu plus nombreux, notamment pour la journée de jeudi, avec un risque d'averse à caractère orageux. On affinera ces prévisions dans les bulletins du week-end. Ce soir, je vous emmène pour l'image du jour du côté de l'Isère, dans le massif du Vercors, à seulement 1000 mètres d'altitude. Regardez, on s'est réveillé ce matin sous un paysage enneigé et un peu embrumé, une situation qui n'est tout de même pas exceptionnelle à cette saison, mais ça nous a donné quand même quelques jolis paysages. Demain, nous serons le samedi 27 avril, nous fêtons les Zita. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end et on se retrouve demain.